Bon, pardon. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de clôture du salon SME. Donc pour cette dernière conférence, on va s'intéresser aux tempêtes, c'est tenir le cap dans les tempêtes pour les entrepreneurs, comment faire face et rebondir et se réinventer. Alors effectivement, les emmerdes volent toujours en escadrille, c'est bien connu. Donc il y a la pandémie, bien sûr, mais on a eu quelques manifestations récurrentes ces derniers mois, ces dernières années, pardon. Quelques grèves et des gilets jaunes et des turbulences économiques en tout genre. Le climat, c'est pas terrible non plus. Bref, c'est vraiment une période compliquée et qui plonge les entreprises dans une crise. Et les entrepreneurs, bien sûr, là-dedans, doivent tenir le cap. Alors, comment on fait pour tenir le coup? Quels sont les mécanismes pour rebondir, les mécanismes de résilience? Comment transformer finalement la crise aussi en opportunité? Ça peut être une manière de pivoter. En tout cas, l'objectif, c'est toujours d'aller de l'avant d'une manière ou d'une autre. Pour aborder tous ces thèmes, donc cinq invités qui sont en fait cinq entrepreneurs finalement. Il y a d'abord Anaïs Pretto, donc cofondatrice de Live Mentor, Justine Hutto, cofondatrice des cosmétiques Respire, Dominique Restineau qui est, je ne sais pas si vous êtes toujours entrepreneur ou en tout cas qu'il avait été, vous êtes président fondateur du mouvement pour les jeunes, les étudiants entrepreneurs, le MOUVJI, et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans. Je n'ai jamais cessé et j'ai encore des D'accord. entreprises que je Donc, développe encore. toujours entrepreneur et toujours des Oui, tuiles qui vous tombent dessus. beaucoup. Marie-Éloi, vous êtes fondatrice de deux réseaux. L'un, c'est Bouge ta boîte et l'autre, c'est le réseau associatif Femmes des territoires. Et enfin, Christophe Bec-de-Lièvre, vous êtes le dirigeant d'un réseau de freelance, de consultants freelance, le hibou.com. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous et merci de votre présence pour effectivement de trouver des recettes et des manières de rebondir après cette crise du Covid qui est particulièrement gratinée. Et avant d'entamer un peu cette conversation, quelques mentions légales. D'une part, les conférences, bien sûr, sont enregistrées et elles sont disponibles ensuite sur le site SME Online. Et vous pouvez bien sûr indiquer sur le hashtag Salon SME ou sur la page Facebook si vous avez apprécié ou pas cette conférence. Ben pour lancer un peu nous lancer dans les turbulences de ces derniers mois, Naïs Preto, vous avez effectivement, je ne sais pas si vous avez été touché par le Covid, mais vous avez déjà traversé avec Live Mentor quelques péripéties. La pire que vous avez traversée, c'était laquelle, en final? Et comment vous l'avez résolue? Ouais, alors c'était difficile de choisir la pire parce qu'on a vraiment eu une série de tuiles tout au long de notre histoire. D'ailleurs, la métaphore de la tempête qui a été choisie pour titre de cette conférence nous va assez bien puisque le bateau Live Mentor en soi a changé plusieurs fois de nom. Donc, ça montre bien à quel point il a erré dans des mers agitées et sans carte pendant longtemps. Il a même carrément changé de modèle de bateau à un moment puisqu'on a pivoté en 2016, donc on a carrément changé d'entreprise en cours de route. Mais je ne vais pas parler de celle-là, je ne vais pas parler du pivot parce que je trouve que c'est plus une histoire de transformation que de crise. Je vais plutôt parler de ce qui nous est arrivé il y a un an, qui est d'une banalité affligeante en fait, puisqu'on entend souvent parler de ces histoires de levée de fonds, mais je pense que c'est intéressant de le raconter de l'intérieur. Et c'est intéressant de le raconter avec les détails chocs. Donc, il y a un an, on préparait, comme beaucoup de startups, une levée de fonds qui devait avoir lieu en juin. Et c'est une date qui a son importance puisque, au final, elle a eu lieu en novembre. Et ceux qui ont déjà fait des levées de fonds, qui s'y intéressent, sauront qu'en fait, 5 mois, c'est très, très long en termes de trésorerie. Et en fait, si on fait un petit peu la chronologie de cette levée de fonds. Donc, on commence les discussions en février, donc ça se passe plutôt bien, mais on commence à se rendre compte autour de mai, donc en se rapprochant petit à petit de la date de signature de la levée de fonds, que on a vraiment plus d'argent. Vraiment, il y a plus d'argent qui rentre. Donc, on fait Mais un premier. le On fait fait un. d'avoir une levée de fonds et de on peut pas trouver de l'argent pour faire la soudure ou Alors, on commence à se rendre compte justement qu'on va pas avoir assez d'argent pour tenir jusqu'à juin-juillet. Donc, on commence déjà à faire des premiers
atterrissage au port, disons, pour garder la métaphore du bateau, un petit peu exotique. Donc, là, à ce moment-là, on n'a plus les moyens de payer nos bureaux. Donc, on est parti avec toute l'équipe dans un pays où les bureaux coûtaient moins cher. Donc, on est parti en Grèce, à Athènes, pendant un mois. Alors, oui, il faisait pas très beau, en fait. Bon. Il faut savoir que Athènes, c'est pas si joli que ça. Moi, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus paradisiaque. Mais donc, ça c'est le premier mouvement. Donc là, c'était encore le moment où la crise était semi drôle, puisque on trouvait des solutions un petit peu exotiques et on se disait bon. Ça nous fera beaucoup rire en juin lorsqu'on signera le papier de dire qu'on n'avait plus de bureau et qu'on a dû partir dans des Airbnb à Athènes. Bon, dans les faits, c'était loin d'être idyllique, puisque vous pensez bien que quand pour réduire vos coûts de bureau, vous prenez pas les Airbnb les plus chics. Donc, on était plutôt dans un quartier en troisième périphérie d'Athènes avec des toxicos en bas. Donc, ça, c'est la première phase. Et en fait, en juin, au moment de signer la levée de fonds, donc après avoir pris l'avion retour à Paris, en rentrant, en fait, on se rend compte que une partie des décisions qu'on prenait pour acquises, qui conditionnaient la levée de fonds, donc qui était conditionnée notamment à la vente d'une partie des actions d'une partie de nos actionnaires historiques, n'était pas du tout quelque chose qui leur convenait, en fait. Et en fait, on se retrouve à ne plus avoir du tout de deal, en fait. Et donc, du jour au lendemain, on se retrouve à ne plus avoir de solution pour financer l'activité. Et là, directement, c'est quand même beaucoup moins marrant. Et là, c'est pas du tout le fait de partir dans des Airbnb pour trouver un autre bureau qui permet de résoudre la situation. Et là, c'est assez intéressant je pense, le meilleur thermomètre de la culture d'entreprise qu'on puisse avoir ce type de crise, puisque on se rend compte en fait que lorsque finalement on pensait n'avoir que 0 mois de cash, finalement on arrive à en avoir 3, puisque on arrive à trouver des efforts dans tous les sens dans l'entreprise, et ça finit par nous amener jusqu'à septembre. Donc on survit jusqu'à septembre, mais pour autant, arrivé en septembre, on a toujours pas de solution. Et là, vous vous rendez compte assez rapidement que tout ce qu'on vous a raconté sur le courage de l'entrepreneur, sur l'entrepreneur héroïque, sur l'entrepreneur infaillible, ça ne s'applique plus du tout à vous. Et comment vous avez fait finalement, alors, la solution, puisque vous êtes toujours là avec nous, donc c'est que ça, vous avez trouvé une solution. Il y a quand même un détail un petit peu important que je voudrais partager, puisque en septembre, à ce moment-là, au moment où on va rediscuter avec justement nos anciens investisseurs qui ne voulaient pas vendre, moi j'ai des plaques purulentes sur tout le visage, puisque je pense que mon corps commence à rejeter le stress de toutes les façons possibles. Et donc je vous laisse un petit peu imaginer la discussion très très convaincante qu'on peut avoir. Mais comment on s'en est sorti? En fait, en réalité, on s'en est sorti en reprenant la discussion avec les investisseurs historiques avec les personnes qui voulaient bien faire la levée de fonds avec nous et qui nous accompagnent. Hop. Mais surtout en mobilisant l'équipe derrière nous pour trouver de toutes les façons possibles les solutions pour tenir le cash jusqu'en octobre en faisant preuve d'énormément d'humilité par rapport à nos investisseurs historiques et en devant en fait corriger à ce moment-là toutes les erreurs et tous les non-dits qui n'avaient pas été traités à ce moment-là, puisque en fait ce qu'on devait traiter à ce moment-là, c'était le résultat en fait d'une crise antérieure en réalité. Puisque c'était de quelque chose qui n'avait pas effectivement du non-dit, et la leçon finalement de tout ça, l'argent est arrivé quand même, vous avez L'argent est arrivé. Je pense la leçon de tout ça, la première, c'est que le pire arrive toujours. Donc, lorsqu'il y a des cadavres dans le placard, que ce soit sur des histoires d'associations ou sur des histoires de capital, ça arrive toujours, ça ressort toujours au mauvais moment. Et nous, ça a été le cas. Parce qu'en fait, en réalité, on s'est retrouvé en crise parce qu'on n'avait pas bien traité la crise précédente. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que lorsque vous êtes vraiment dans la merde, vous pouvez compter vraiment que sur votre culture et sur votre équipe. Et nous, trouver 3 mois de cash, c'est vraiment pas évident, et ça veut dire que les équipes ont dû consentir à des efforts conséquents, plus avoir de bureau, pour certains ne pas avoir de primes, pour certains ne pas avoir d'augmentation, pour certains ne pas recruter, donc être complètement en sous-staffing. Et le troisième point, c'est que
On n'est pas invincible à ce moment-là, et je trouve que c'est très facile de le raconter de façon... Pourquoi je parle des plaques purulentes ? C'est parce que, bien souvent, je trouve qu'on utilise ces conférences pour justement avoir un petit peu un storytelling extrêmement courageux et avoir un petit peu une rhétorique du héros. Et en fait non. Enfin, lorsque vous lisez un article sur... Oui, mais le héros... Le héros aussi a des plaques purulentes sur le visage. Voilà, c'est nous... Ouais. Non, mais c'est important, et je pense que c'est important de remontrer cette dimension personnelle, ouais, puisque c'est très facile aujourd'hui, un an plus tard, de raconter ça de façon un petit peu marrante en disant on était dans des Airbnb, et de raconter ça un petit peu comme un storytelling, avec un storytelling très, très Startup Nation, comme on l'aime. Mais en réalité, non, et on est très peu de choses face à ça, et ça fait très, très bizarre lorsque votre corps vous envoie des plaques purulentes le matin dans le miroir. Justine, j'espère que Respire peut-être aurait eu des solutions pour moi à ce moment-là. Ouais. Justine, vous n'avez pas eu ce genre de souci de... Non. Non, pendant même le est-ce que pendant le Covid, ne serait-ce que le Covid, bon, votre entreprise est jeune encore, donc elle a peut-être pas eu le temps d'avoir quelques tuiles comme ça, mais est-ce que le Covid, par exemple, comment vous êtes organisé, ça a eu un impact sur l'activité, sur l'organisation de l'entreprise ou pas? Alors, évidemment, un impact dès le début, mais je pense qu'on a eu le même que toutes les entreprises. Hein. C'est juste que nous, bah, comme c'était la première crise jamais vécue chez Respire, bah, on a dû se réorganiser tout de suite, envoyer tout le monde en télétravail. Surtout qu'on est passé d'une équipe de 2 à 24 en l'espace d'un an. Donc, en fait, réorganiser tout le monde en télétravail. Et surtout, il y avait des personnes qui venaient d'arriver depuis un mois, voire une semaine. Donc, en fait, les personnes n'avaient même pas eu le temps de rentrer vraiment dans l'équipe Respire. Du coup, ça a été un peu de l'onboarding en visioconférence. Et surtout une réorganisation en termes de communication, puisque nous, on est une marque qui... Alors, on a de la chance, j'ai envie de dire, dans ce malheur du Covid, c'est qu'on est une marque très digitale. Et le digital ne s'est pas arrêté de vivre pendant le Covid. Donc, voilà. En fait, le digital, on a juste dû le réorganiser. Et surtout, en fait, on est digital, mais on avait aussi mis en place des événements physiques. On avait recruté une personne chez Respire pour être responsable événementiel et organiser des événements avec notre communauté. On avait emménagé dans des grands bureaux, on était super contents. Et en fait, bah, Covid arrive, et donc on est tous chez nous. Et là, on a dû se réorganiser en termes d'événements digitaux. Donc, on s'est mis à faire des lives tous les jours, à trouver des nouvelles idées de communication, des nouveaux projets de com pour animer la communauté, pour continuer de vivre et d'exister pendant cette crise. Donc, on a mis en place, par exemple, une rupture de charge dans l'activité ou de... Alors rupture, disons que en fait nous on a au tout début de mars, enfin mi-mars quand le Covid, quand on est arrivé en confinement, là nous on a arrêté de vendre, on s'en est rendu compte rapidement. Sephora a fermé, on distribue chez Sephora. Par contre Monoprix est resté ouvert, donc ça c'est quand même une chance pour nous. Les pharmas aussi sont restés ouverts, on distribue en pharmacie. Et notre site, on a continué à distribuer. Donc on avait des retards en logistique évidemment, mais ça toute la communauté le comprenait et était très bienveillante. Et par contre, au bout de deux semaines, j'ai envie de dire, du confinement, il y a eu un peu une reprise de l'activité où nous, en tant que marque d'hygiène, bah, on s'est aussi dit qu'on avait une certaine responsabilité. Les gens n'allaient pas arrêter de prendre soin d'eux et au contraire, toutes les personnes sont mises à prendre plus soin d'elles, à faire plus de sport, à essayer de réfléchir à mieux manger, mieux consommer, consommer plus local d'ailleurs. Ouais. Et donc, nous, on est arrivé à un moment finalement où on avait des messages à faire passer, où on a réussi à les faire passer sur le digital et où notre site a finalement, bah, repris complètement l'activité au bout de deux semaines de confinement. On a pu se faire connaître auprès de nouveaux clients. Donc, cette crise Covid, elle est certes très difficile, mais je pense qu'il y a aussi des opportunités à saisir pour des jeunes marques comme nous. Vous avez pu saisir l'opportunité, oui. Dominique Restino, donc, vu de la Chambre de commerce de Paris, enfin, vu de vous-même, si j'ose dire, vous êtes un entrepreneur plus de 24 ans. Bon, ce genre de crise, c'est la tuile majeure. Est-ce qu'on peut malgré tout, enfin, Justine montre qu'on peut rebondir, qu'on peut effectivement pivoter ou trouver effectivement une manière de continuer. Comment vous la lisez, vous, comme à la fois entrepreneur et président de la Chambre de commerce de Paris, comment vous pensez que les entreprises peuvent s'en sortir et effectivement braver cette tempête, voilà. Bon, déjà, tout le monde a été sous le choc très rapidement. Ouais. Et puis certains ont essayé de s'adapter. Ceux qui réussissent à s'adapter, même dans cette tempête, comme vous l'indiquez. Ensuite, il y a des business, non pas qui se réinventent, parce que c'est pas en quelques jours ou en quelques semaines. Il y a des business qui sont propices. Justine vend beaucoup en ligne. Bien sûr, ses produits, on les trouve, mais elle vend beaucoup en ligne. L'outil est déjà là. Elle a une communauté
Également, elle fait pas du rouge à lèvres, elle fait du déodorant. Si ça avait été du rouge à lèvres, je pense qu'elle sourirait un petit peu moins, et elle le sait, mais justement, c'est du déodorant. Et voilà, c'est clair. Mais les personnes mettaient quand même moins de déodorant pendant le confinement. Je suis d'accord avec toi. Et là, mais on continuait de se brosser les dents et de se laver. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Comment dirais-je ? Donc, moi, j'ai eu un panorama avec, bien sûr, la Chambre de commerce, où on a été au front, je dirais, de 8h du matin à 9h du soir, parce qu'on a travaillé dès le départ, d'ailleurs, sur les réponses que le gouvernement apportait, sur les remontées qu'il y avait, parce que si on prend, par exemple, les premières mesures sur les aides qui ont été énormes, je ne reviens pas là-dessus, mais au départ, par exemple, il fallait avoir une certaine vigilance, parce que, et nous étions un certain nombre à remonter ces informations, quand vous avez une prise en charge, quand vous faites 70% en mars 2020, 70% de baisse de chiffre d'affaires, alors qu'on ferme le 17, ça veut dire qu'on ferme que 15 jours. 70% matériellement, il n'y a pas grand monde qui va être concerné. Donc, il a fallu faire remonter au pouvoir public le fait qu'il fallait être au moins à 50%. Cette prise en compte qui a été revue également. Ensuite, il y a eu énormément d'informations. La Chambre de commerce, on a un centre de contact. C'est plusieurs dizaines de milliers d'appels. Ce sont des milliers d'appels que nous avons reçus. Mais dans toute cette crise, ce sont des appels que nous avons émis à l'extérieur pour aller au contact des entreprises. Dans le plan relance, puisque c'est les chambres de commerce qui sont, je dirais, quasiment en première ligne d'information, d'orientation, de la bonne réponse. Et alors, à Paris, vous l'avez rappelé, Bruno, tout à l'heure, on s'est tapé les grèves, on s'est tapé les manifestations des Gilets jaunes, on s'est tapé les inondations, on s'est tapé les attentats. Ouais, ça fait 4 ans, je dis que ça. Hein, donc, voilà. Il y a les esprits chagrins qui disent qu'il faut aussi se taper les pistes cyclables. Mais bon, c'est autre chose. Mais je fais pas mal de commerçants. Mais donc, il y a plein de secteurs d'activité qu'on voit, effectivement, ouais. L'événementiel, le tourisme, vous savez, et même dans nos écoles. Nous avons 19 écoles. C'est un des groupes les plus importants en France, à travers des écoles comme les Gobelins, par exemple, de réputation mondiale, bien sûr HEC, bien sûr le SCP Europe ou l'ESSEC, mais d'autres écoles de commerciaux, sub de vente, par exemple, ou des écoles d'ingénieurs, des écoles de codage également. Il a fallu en quelques jours, même nous-mêmes, en interne de la Chambre, et ce sont des milliers d'élèves qu'il a fallu basculer, je dirais, en digital. Donc, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait ces outils-là, évidemment. Mais il y a eu une transformation assez folle. Donc, le regard que nous avons, c'est un regard en tant qu'effectivement au contact des entreprises en permanence, d'aller remonter avec les pouvoirs publics, parce que nous ne faisons pas de politique. On est là pour le développement économique et pour être auprès de ces entreprises, ces TPE, ces PME, et bien évidemment les commerçants, les cafés, hôtels, restaurants. Les hôtels aujourd'hui, c'est 10% d'activité. C'est bien sûr que c'est catastrophique, mais on prépare l'émission. Il y a des secteurs d'activité, exemple, et j'en profite pour le dire, qui sont des entreprises de nettoyage, par exemple. Mais qui sont des entreprises, on pourrait se dire, ça travaille bien même les entreprises de nettoyage. Sauf quand vous êtes une entreprise de nettoyage qui s'occupe exclusivement sur un marché bien spécifique de l'hôtellerie. Je peux vous dire que là, vous avez un gros problème, d'accord? Et vous n'allez pas trouver des clients en 15 jours, c'est pas vrai, parce que les autres se démènent aussi. Donc du pivot, oui, le pivot à moyen long terme, c'est une chose. Si, ou alors il y avait des choses, les restaurateurs, j'en termine là, qui vont, par exemple, il y a eu même des grands chefs qui n'avaient jamais imaginé pouvoir livrer. Réduction de personnel, certes, beaucoup de monde en activité partielle, mais on continue au fourneau et on fait de la livraison à domicile. C'est pas du pivot, c'est juste innover, c'est juste penser autrement. Il faut en ce moment, c'est penser autrement. Ouais. Marie, donc comment vous pensez autrement avec Bouge ta boîte, justement, ou est-ce que les effectivement, comment ça se passe d'abord pour votre entreprise? Est-ce qu'il y a eu un choc gilet jaune, Covid, enfin je sais pas lesquels vous avez dû vraiment affronter, et après les dirigeants avec qui vous travaillez, comment vous sentez qu'ils est-ce qu'il y en a qui ont réussi à s'adapter, qui ont vraiment complètement changé, au contraire qui font le dos rond, comment un peu le paysage de votre côté? C'est Je vais donner d'abord un chiffre. Nous, on organise, pour Bouge ta boîte, qui est un réseau business féminin, on organise 300 réunions collectives par mois. Chaque réunion, c'est environ 20 femmes. Donc, vous imaginez, au moment du confinement, le mur qu'on s'est pris. Et heureusement, on était déjà en digital, mais c'était une petite partie du réseau. Et en quelques jours,
vraiment en quelques jours, et c'est Anaïs qui parlait ça, de l'engagement des équipes, en quelques jours, on a vu que l'équipe était soudée et a tout transformé en digital, ce qui fait que pendant le confinement, on a réussi à faire 500 webinaires et réunions de travail, parce qu'il y avait une seule chose qui comptait pour nous, c'était les 1500 dirigeantes d'entreprises partout en France, comment les soutenir, comment faire pour qu'elles s'en tirent, elles s'en sortent de la crise. Et là, on a fait une étude récemment, et 91% d'entre elles nous disent qu'on a été d'un soutien vital pendant la crise. Et donc ça, c'est notre plus grande fierté. Et parmi ces dirigeantes, est-ce qu'il y a effectivement, il y a certaines qui vous ont un peu marqué parce que elles ont trouvé des solutions un peu inattendues, mais qui fonctionnent, ou c'est difficile Alors, pour reprendre la métaphore d'Anaïs avec son bateau, je pense que déjà, on est tous dans le même bateau, donc ça aide. Et en plus, il y a une citation de Sénèque que j'aime beaucoup en ce moment, je trouve qu'elle nous va bien. C'est « La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie ». Alors apprendre à danser sous la pluie, c'est vraiment ce qu'on doit faire ensemble, sur le même bateau en plus. Donc pour ça, il faut de l'optimisme. Et je pense que le collectif apporte de l'optimisme d'être ensemble à traverser la crise sur ce bateau dont parlait Anaïs. Donc il fallait de l'optimisme pour danser, il fallait de l'action. Et franchement, nous, ce qu'on a vu, c'est que les dirigeantes d'entreprise ne sont vraiment pas restées les bras ballants, dirigeants et dirigeantes. Hein. La moitié a suivi une formation. La moitié a accru sa présence sur les réseaux sociaux. Un tiers a pivoté. Et un tiers a refait, par exemple, son site internet. Donc, vraiment, tout le monde s'est mis en marche. Donc, de l'optimisme, de l'action. Et puis, la troisième chose pour danser, il vaut mieux être ensemble. Donc, ce qui est vraiment ressorti de cette crise, c'est que le collectif, l'intelligence collective fait la différence. Nous, ce qu'on voit avec les études qu'on a faites, parce qu'on a fait pas mal d'études, du coup, depuis le début de la crise, c'est que celles qui font partie d'un réseau, et pas forcément Bouge ta boîte, hein, mais juste un réseau, ont eu plus de chiffre d'affaires, plus de trésorerie et aussi un meilleur moral. Enfin, elle me disait avant de travailler ensemble, aujourd'hui on travaille en équipe. Comment l'expliquer effectivement, c'est le fait d'avoir plus un chiffre d'affaires plus important, c'est qu'elles ont trouvé plus de clients, de quelle manière, ou enfin, qu'est-ce qui fait qu'un réseau finalement donne plus d'ouverture sur le business? Bah, pour les petites entreprises, oui. C'est notre cas, oui, les petites sûr. Entreprises, le chiffre d'affaires vient principalement du bouche à oreille. Ouais, d'accord. C'est le réseau. Et par exemple, nous, on fonctionne en cercle de dirigeantes. Et dans un cercle, il y a une femme par secteur d'activité. Donc, une expert comptable, une architecte, une juriste, etc. Et comme on dit en Allemagne, on chasse en meute. Et bien, chez nous, elles ont dit, chasser en meute, c'est pas très beau, donc elles ont dit, on travaille en équipe. Ouais. Et par exemple, l'expert comptable du cercle, dès le début de la crise, a pris les prévisionnels de toutes les autres membres du cercle pour voir s'ils tenaient la route face à la crise. Celle experte en communication digitale les a aidées à se démarquer sur les réseaux sociaux et elles ont avancé comme ça. Elles se sont rendues visibles les autres, les unes les autres, sur les réseaux sociaux, parce qu'elles ne pouvaient plus le faire en physique. Et ça, d'accord. C'est la différence. Le collectif, c'est vraiment ce qui nous permettra d'en sortir, j'espère, le mieux possible. Christophe, vous aussi, vous êtes un réseau différent, mais le You.com, est-ce que les consultants qui, justement, utilisent le réseau pour trouver des clients ont finalement mieux résisté peut-être que d'autres, ou pas? Comment vous avez pu les aider ou les appuyer à maintenir leur business, voire à le développer selon les cas? Alors, les consultants freelance se sont retrouvés dans une situation, pour ceux qui n'étaient pas staffés chez des clients, dans une situation difficile. Oui, et d'autant que l'aide de l'État était assez restreinte, puisque en fait, on leur proposait 1500 euros par mois. Donc, pour des gens qui, nous, dans nos métiers autour de l'IT et du digital, facturent plutôt 10 000 euros par mois, la douche était un peu froide. J'ai plutôt envie de vous répondre déjà sur la façon dont nous, on a essayé de gérer finalement cette crise qui a été violente comme pour tout le monde. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est tout d'abord d'essayer de ne pas céder à la panique, parce qu'en fait, on avait le sentiment d'être un peu comme des rats qui rentrent dans leur cachette du jour au lendemain, d'autant que on parlait de guerre, enfin des mots qui étaient extrêmement forts. Ah oui, c'était terrible. Bon, la première chose que je me suis dit, c'est il faut essayer de gérer mes propres émotions, ne pas céder à la panique et relativiser. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de me dire, bon, dans l'entreprise, que ce soit mes salariés, on est une trentaine de salariés ou les consultants
les consultants qui sont inscrits sur la plateforme, qui sont très nombreux, il y en a 35 000. Oui. Je commençais par me dire, il n'y a pas mort d'homme. Donc, la première chose, c'est on va relativiser la situation pour essayer de reprendre un peu de hauteur. Et ensuite, la deuxième chose, c'est moi, j'aime bien l'adage qui consiste à dire que l'action dissipe la peur. Donc, je me suis mis au boulot, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, mais je me suis mis au boulot encore plus que d'habitude. Et en fait, les premières choses que j'ai essayé de gérer, ça a été de gérer les équipes internes. Donc, réorganiser les équipes en télétravail, les rassurer et leur dire que on allait trouver des solutions pour passer cette crise. La deuxième chose, ça a été de réfléchir à nos forces, en fait, tout simplement, parce que dans une entreprise, on a des forces, on a des faiblesses. Nous, le Hibou, on est une entreprise qui a juste 5 ans, donc on est encore une jeune entreprise avec les fragilités que ça représente. Mais je me suis dit, on va quand même penser à nos forces. Nos forces, c'est que on fait quand même 15 millions de chiffres d'affaires, on a des clients solides, on va s'appuyer sur les gens avec lesquels on a une relation de confiance. Donc, nos clients, on les a appelés en disant, voilà, on compte sur vous. C'est à vos clients, les consultants de la plateforme. Nos clients, si vous voulez. Ah, c'est les grandes entreprises, oui. Qui les entreprises CAC 40, c'est les grosses PME, chez qui on fait intervenir justement des consultants clients. Très bien. Et en fait, on leur a dit de façon très directe, voilà, on compte sur vous dans cette crise, on veut bien faire des efforts, mais on veut que ça reste un partenariat comme on l'avait initié jusque-là. Et le résultat, ça a été concluant ou… Globalement, je trouve que les gens ont été assez réceptifs. Ouais. Alors, je pense que la tonalité est très importante, la façon dont on discute avec eux est quelque chose qui est important. Mais à partir du moment où on se regarde droit dans les yeux et tout le monde sait qu'il y a une crise qui est difficile, je pense que le client qui est salarié peut comprendre que l'entrepreneur compte sur lui et que derrière, il y a des emplois. Et en fait, on a une relation à ce moment-là qui devient encore plus franche, encore plus honnête, qui permet justement de se soutenir. Donc finalement, les clients ont un rôle très important dans la continuité de l'activité. Et puis après, c'est ce que disait aussi Marie sur les réseaux. Moi, je suis membre de Croissance Plus. Je trouve que échanger avec d'autres entrepreneurs, ça apporte beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme. Tout le monde est plus ou moins dans la merde. Et donc, en fait, on arrive à créer soit de l'entraide sur des choses très, très opérationnelles. Mais l'entraide, elle est aussi psychologique. En fait, c'est simplement de pouvoir échanger. Et quelque part, c'est une forme d'exutoire de pouvoir échanger avec ses pairs et trouver des solutions ensemble. D'accord. Donc, il y a finalement ce qui apparaît dans tout ça, c'est qu'il y a quand même finalement cette crise... c'est pas traduit par du sauf qui peut, chacun pour soi. On a l'impression que, de manière un peu générale, il y a quand même une attention à ses clients ou à ses fournisseurs. Enfin, vous n'êtes pas les seuls, moi je pense à d'autres entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, où effectivement il y a eu en tout cas une attention effectivement, pour les sous-traitants, les fournisseurs, les clients. Je ne sais pas si Anaïs, vous avez ressenti ça pendant cette crise par rapport à la crise que vous aviez vécue effectivement sur l'augmentation de capital un peu compliquée que vous aviez eue. Est-ce que ces derniers mois, au contraire, vous vous dites, bon, le Covid pour nous, c'est finalement moins grave que ça a pu être quand on a eu cette levée de fonds complexe. Alors en fait, ça dépend de à quel nous on parle, parce que il y a nous Live Mentor en tant que structure et il y a nous Live Mentor en tant que communauté d'entrepreneurs, puisque notre métier c'est d'accompagner des créateurs d'entreprises. Évidemment, nos créateurs d'entreprises étant pour la majorité des TPE ou des indépendants, ils ont souffert, comme le décrivait auparavant Dominique, Christophe, c'est évident, on a mis en place des initiatives un petit peu comme ce qui a pu se faire dans les entreprises en elles-mêmes, mais pour notre communauté, on a lancé une hotline tous les matins du lundi au dimanche. Macha de chez nous a créé une hotline qui s'appelait Antivirus Entrepreneur, qui tous les matins, pour entrepreneurs, était tous les matins, même le dimanche, même le samedi, pendant une heure avec notre communauté pour faire un petit peu le rassemblement, pour partager les nouvelles du front, parce que c'était littéralement un front dont on parlait, partager les aides, essayer de se soutenir. Il y en a qui faisaient même des sessions de yoga le matin pour se retrouver parce qu'il y avait aussi beaucoup d'angoisse à ce moment-là. Oui, on a dû être beaucoup plus proche encore de notre communauté d'entrepreneurs
que normalement. Et le combat, je dirais, ne s'arrête pas avec, avec le déconfinement. Et je pense que c'est important de rester mobilisé, pour, notamment pour les indépendants, pour le nouveau fonds de solidarité, puisque même si il y a des travaux qui sont faits, notamment par le syndicat indépendant ENCO, qui vont dans ce sens-là, on est encore loin d'avoir un traitement égal entre les indépendants et les salariés aujourd'hui, dans le plan de relance notamment. Même si c'est un autre sujet, c'est important de quand même le souligner lorsqu'on a le micro. Et Justine, vous avez aussi, vous, enfin, cet élément de solidarité, ou vous l'avez ressenti également et constaté, ou c'était par rapport à vos clients et également fournisseurs, en fait, les. Complètement. Alors déjà, au sein de l'équipe, j'ai envie de dire, solidarité au sein de l'équipe, ça a été assez incroyable, puisque les équipes qui se retrouvent livrées à elles-mêmes, et finalement tout le monde s'aidait. Et puis aussi, on a trouvé un moyen de communiquer de manière beaucoup plus efficace, je trouve, quand on est au bureau. Je trouvais toujours que parfois, ça faisait un peu du brouhaha, que les communications, on se levait pour aller parler à quelqu'un. Maintenant, on communique uniquement sur ce qui est important. On s'écrit un mail très clair, ou on s'écrit sur Slack, le canal de communication en interne. Donc, en tout cas, beaucoup de solidarité, j'ai trouvé en interne, où même les équipes organisaient des apéros d'équipe en fin de journée. En tout cas, une fois par semaine, on avait l'apéro d'équipe où on se retrouvait, puis on rigolait et on parlait d'autre chose que du Covid et du travail. Ça permettait de se sentir mieux. Sinon, solidarité avec la communauté complètement. Nous, j'expliquais, donc on a mis en place des lives, et en fait, on faisait intervenir la communauté, et notamment des entrepreneurs dans notre communauté, pour venir pitcher sur nos réseaux sociaux, donc là où on a une communauté de plus de 100 000 personnes, pitcher leur sujet entrepreneurial, leur start-up. Et ensuite, on faisait voter la communauté pour élire le meilleur projet. Ils leur posaient des questions, ils leur donnaient des conseils. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des personnes de notre communauté qui se sont mis en contact et qui ont réussi à développer encore plus leur business grâce aux contacts qui se sont créés sur les réseaux de Respire. Donc ça, j'en étais très fière. Et sinon, en termes de relations aussi avec nos fournisseurs, là, on a eu un peu plus de difficultés, j'ai envie de dire, mais beaucoup de compréhension, il fallait aussi de notre part, et c'est normal. On a eu beaucoup de laboratoires qui ont été pris pour faire du gel hydroalcoolique. Oui, et donc, nous, on a vécu des ruptures de stock, par exemple, de dentifrice. Et donc là, il a fallu être patient, être très transparent aussi avec notre communauté et expliquer que ça allait revenir, mais que c'était le jeu. Et on s'est même démené pour essayer de se dire comment nous, on peut aussi planter notre petite graine et créer ce gel hydroalcoolique. Bon, alors nous, c'était compliqué en tant que toute petite marque, clairement, créer un gel hydroalcoolique, puis on n'allait pas changer la roue du gel hydroalcoolique, finalement, qui existe et qu'on pouvait aussi faire tout nous-mêmes. Mais on a fait des dons comme on pouvait auprès des infirmiers. On a envoyé des savons et des shampoings auprès des aides-soignants, et c'était aussi notre manière d'être solidaire. Et en fait, on ressentait vraiment, moi, j'ai vraiment ressenti une énergie solidaire envers tous les Français, rien que tous les Français qui se mettent à la fenêtre à 20h pour applaudir. Enfin, c'est juste incroyable. Je voulais revenir un peu en arrière, Marie, sur, bon, on a parlé effectivement de la crise récente, mais est-ce que vous, dans le processus de création de, à la fois de Femmes des Territoires, mais surtout de Bouge ta boîte, il y a eu des moments où vous êtes dit, bon, là, ça va mal, ça marche pas comme prévu, on avance pas bien, on va être obligé d'arrêter, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des tuiles où vous avez, la manière dont vous avez pu franchir des obstacles compliqués, voilà. Est-ce qu'il y a des choses par jour ou depuis le début? Par jour ou depuis le début? Oh, depuis le début, parce que ce qui est dans l'histoire de Bouge ta boîte, il y a eu effectivement, bon, on a la crise du Covid qui est pas mal, mais est-ce qu'il y a eu un autre moment avant où vous êtes dit, tiens, il se passe un truc là qui va pas du tout et ça qui peut tout remettre, ou les choses sont finalement bien enchaînées? Disons que ça arrive très régulièrement, mais que ça, les mots ça va pas du tout, on va pas s'en sortir, je me les interdis. D'accord. Et je l'interdis aussi à l'équipe. Je leur dis qu'on doit être exemplaire en termes de morale, et surtout en ce moment. Et je suis convaincue que quand on a un bon moral, on arrive à avoir des opportunités qu'on ne voit pas quand on est complètement centré sur la peur. Alors, on a le droit d'avoir peur. Moi, j'ai peur tout le temps. On a le droit d'avoir peur. Par contre, il faut faire quand même. Et alors, des moments compliqués, j'en ai eu 25 000 depuis le début. Ouais. Ça, c'est sûr. On a été plusieurs fois en rupture de cash. Je me rappelle, au tout début, on avait 70 bougeuses, donc 70 dirigeantes d'entreprise. C'était vraiment le démarrage. Ouais. Je sors de la banque et la banque me dit, mais là, vous allez devoir arrêter. Clairement, vos comptes en banque, ils sont vraiment pas bons. Puis nous, c'était le tout début de l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai envoyé deux SMS, un à Gonzague de Blinière et un à Frédéric Lescure, que je connaissais chacun. Je savais pas qui se connaissait. Rappelez quand même, tout le monde ne les connaît pas. Vous les connaissez bien, mais Gonzague de Blinière, donc. Gonzague de Blinière, à la tête de Raise, que j'avais rencontré par. Alors, précisons aussi ce qu'est Raise. Raise, un fonds d'investissement. Voilà.
un fonds d'investissement bienveillant, philanthrope, que j'avais rencontré par hasard quelques mois auparavant, et Frédéric Lescure, qui est un entrepreneur de Vannes où j'habitais. Ouais. Et je leur envoie tous les deux en disant SOS. Et ils me disent, en fait, on est ensemble le lendemain. Et je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Donc, on s'est retrouvés le lendemain. J'ai foncé, effectivement. Et je leur ai dit, au secours, on a besoin d'argent. Et ils se sont regardés. Ils ont dit, allez, moi, je mets 50. Et toi, je mets 50. Donc, j'avais 100 000 euros. Il me fallait 400 000. On avait notre comité stratégique quelques jours après. Et Gonzague et Frédéric ont fait du coup partie du comité stratégique. Et il nous manquait 300 000 pour faire la preuve du concept. Et pendant que je disais ça à tout notre comité stratégique, j'ai reçu un SMS de Guillaume Richard, le président d'O2, qui était à côté de moi et qui m'a dit « je l'aimais ». D'accord. Et donc, ça nous a sauvé l'entreprise en 3 jours. Et donc, le meilleur conseil que je puisse donner aux entrepreneurs, aux entreprises qui se lancent, faites un comité stratégique avec des personnes influentes qui croient en vous parce que les miracles, ça existe. Oui, bon, j'en ai plein comme ça. Ça existe parce qu'on sait les provoquer, parce que j'ai l'impression que là, effectivement, vous aviez un peu le couteau sous la gorge. Donc, vous êtes sérieusement bougé, si j'ose dire, pour trouver l'argent. Donc, est-ce que finalement… Plus aussi short depuis, j'ai appris à bien regarder le prévisionnel, mais au début, voilà. D'accord. Christophe, vous également, je ne sais pas, le hibou a 5 ans, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça un peu… Il y a eu les moments du Covid, mais auparavant, est-ce que dans l'histoire de l'entreprise, il y a eu des moments un peu compliqués où le fait d'être au pied du mur vous a obligé à forcer le miracle, finalement? Oui, étonnamment, ça fait 16 ans que je suis entrepreneur et je pense que c'est avec cette aventure, le hibou, que j'ai eu globalement plus de tuiles les 3 premières années, sans que je l'explique forcément, lié probablement au fait d'avoir été un peu trop vite, un peu trop fonceur, avoir peut-être brûlé des étapes, avoir fait des recrutements un peu rapides. On n'a jamais été au pied du mur puisque il y a toujours eu un très gros focus sur la partie business pour que il y ait du cash qui rentre, pour qu'il y ait qu'on double notre chiffre d'affaires chaque année. Enfin, ça a toujours été quelque chose de très important. Après, on a eu plein de problèmes sur, par exemple, les développements de la plateforme. Vous vous rendez compte que ça fait 3 ans que vous développez dans un langage et qu'en fait, l'architecture est pas bonne. Et ça fait mal. Et heureusement, les gens ne le voient pas. Personne le sait, mais ça veut dire très gros chantier à redémarrer en interne. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et je trouve que globalement, en vieillissant, on arrive globalement toujours à trouver des solutions à partir du moment où on croit dans son projet, où, comme on le disait, on tisse des liens, on a un réseau qui grandit, on a des gens qui nous font confiance. Moi, le truc que j'ai fait, en fait, assez vite, dans les jours qui ont suivi le Covid, où ça reste quand même la crise la plus dure qu'on ait connue, ça a été de dire, en fait, si vous voulez, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai dit aux équipes internes chez le hibou, on travaille trop avec des PME, on fait des missions qui sont trop courtes, qui duraient en moyenne à peu près 6 mois. Il faut absolument qu'on attaque le CAC 40, on arrive à se faire référencer dans les boîtes du CAC 40. Donc, c'était un peu face nord, mais on s'est dit, on y va. Et 2 ans plus tard, on a réussi notre pari. On faisait, le 15 mars, on faisait 85% de notre chiffre d'affaires avec les sociétés du CAC 40. Donc, c'était vraiment super parce que c'est des clients chez qui on arrive à se développer facilement. Et en fait, avec le Covid, fin mars, on se retrouve avec un coup de frein énorme dans les grands groupes, beaucoup plus important qu'ailleurs, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se rendent plus physiquement au bureau. Donc, en fait, ils tirent le frein à main. Et du coup, le pari, ça a été de se dire, bon, on va faire un petit rétro-pédalage. Alors, c'est pas un pivot du tout, mais c'est beaucoup moins que ça. Mais ça a été de se dire, on va mettre vraiment le poids du corps sur des PME, des ETI, dans des secteurs qui vont bien, dans la santé, dans le digital, etc. Et en fait, 6 mois plus tard, en septembre, on a fait 52% de notre chiffre d'affaires hors CAC 40. Et c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui fait que là, on a très bien démarré et que vous arrivez finalement, vous avez réussi à revenir aux origines d'une certaine manière et ça vous a en tout cas permis de continuer effectivement. C'est un mélange, si vous voulez, d'opportunisme, de réalisme, d'agilité, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, d'être flexible, de se dire, OK, on se met en mouvement et on va trouver des solutions. En général, elles arrivent. Ouais.
Dominique, qu'est-ce que ça vous inspire? Effectivement, l'entrepreneur, enfin les miracles existent, sauf qu'il faut savoir les provoquer. Ou... Ah non, on n'entend pas votre micro. Voilà, j'ai remis. Ah, vous savez, je suis bon élève, on m'a dit d'éteindre le micro quand je ne parlais pas, donc j'éteins le micro. Je disais, si Marie l'a dit, je la crois. Voilà. J'abonde totalement et je pense que l'attitude de Christophe est une très bonne attitude, quand on peut l'avoir, mais c'est une très bonne attitude. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Anaïs tout à l'heure. Elle a parlé des indépendants. Et elle avait bien raison, parce que à la Chambre de commerce, on a plusieurs missions, l'enseignement bien sûr, l'attractivité avec les congrès et salons, nos formations et tout ce qui est service et appui aux entreprises. Mais on a également ce qu'on appelle une mission consultative. On travaille sur des projets de loi et tout ça pour le gouvernement en France, européen et tout ça. Nous avons sorti, j'en étais un des acteurs, avec mon camarade François Hurel qui a initié le régime auto-entrepreneur avec Hervé Novelli. Nous avons sorti un rapport sur... valoriser et sécuriser le travailleur indépendant. Il y en aura de plus en plus dans l'avenir, j'en suis convaincu, parce que c'est également une nouvelle forme de travail qui se développe, et la preuve notamment avec ce que dit Christophe. Voilà. Mais on a vu pendant cette crise, et c'est ça que je voulais souligner, c'est que ceux qui ont été le plus pénalisés dans l'ensemble, c'était les indépendants. J'ai un fils qui est indépendant, qui m'a simplement dit... Aujourd'hui, il vaut mieux être salarié qu'indépendant, parce que c'est quand même pas simple. Ouais. Il y a eu énormément de protection, et tant mieux pour les salariés, pour les entreprises qui avaient leurs salariés. Mais ça a été beaucoup plus difficile pour les indépendants, et il y en a qui revoient leur position. Alors que c'est dommage, parce que c'est un phénomène qui se développe, non pas par obligation, et je pense que Christophe peut le confirmer, mais par choix, par goût, beaucoup plus chez les jeunes également, et notamment dans tout ce qui est digital. Un point important, parce que je crois que nos auditeurs ont envie de savoir aussi quels sont les points. On a un petit peu avant, là, on parlait des différentes crises. Comme bien évidemment, je n'ai pas le même âge que vous, j'ai connu bien sûr la crise de 2008, qui était particulière. J'ai connu la crise de 2001, qui était la bulle Internet. Et j'ai connu la crise de 1993. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent, celle-là. Cette crise de 93, c'était assez dramatique parce qu'elle était sur certains secteurs. Celle-ci, elle est angoissante parce qu'elle impacte la santé et qu'on a vu des centaines et des centaines de personnes et proches de nous perdre la vie. Donc, il n'y a pas plus terrible, évidemment. Le point qui est important, et parce qu'il est encore temps, c'est ça que je voulais souligner. Aujourd'hui, les TPE, les PME peuvent solliciter encore le PGE. J'entends parfois, moi je vois tous les jours en permanence des entrepreneurs, des entreprises, grands, petits, moyens, voilà. Et parfois, il y en a qui me disent, ça a été, donc je n'ai pas demandé le PGE. Demandez le PGE, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la trésorerie, c'est ce qui va vous permettre d'avoir également, alors je sais qu'il faut pouvoir le rembourser, mais c'est une capsule de survie en même temps pour certaines entreprises aujourd'hui qui permet de passer, j'imagine bien et j'espère bien comme tout le monde bien évidemment, que dans au moins une année et demie, on aura trouvé des remèdes, des vaccins, des palliatifs pour sortir de cette galère. Mais pendant ce temps-là, il faut tenir, il y a un niveau de résilience, il faut serrer les boulons, il faut être, comme disait Christophe, agile, imaginé, positif, comme disait Marie évidemment. Il faut garder cette... parce que la confiance va jouer, elle joue déjà. Alors là, on a eu des expériences de réseau, c'est les réseaux internes. Nous, quand on est derrière le téléphone parce qu'on est au centre de contact et qu'on a des chefs d'entreprise qu'on ne connaît pas, mais qu'on appelle, qui sont au bord du désarroi, pas possible, et ceux-là, on ne les connaît pas, ce n'est pas notre communauté, c'est pas ce que j'ai des communautés avec le MOVJ, avec l'Institut du Mentorat, le réseau Mentorat France, ce sont des milliers de personnes que j'ai en communauté, mais là, je parle des chefs d'entreprise que la Chambre de commerce accompagne, d'accord ? Ou parfois, vous avez des mots qui sont des mots terribles, terribles à entendre, et même dans les indépendants. Donc là, il y a encore la possibilité de prendre le PGE. Et si j'avais un message surtout que moi, je voudrais laisser dans cette conférence, allez-y. N'hésitez pas à demander le PGE. C'est peut-être ce qui va vous permettre, en faisant un peu le dos rond, en étant agile, en étant offensif, de passer ce cap. Ce cap passera. De toute façon, il passera. Et vous dites qu'il y en a qui ne le demandent pas, qu'ils devraient le demander. Quelles sont leurs réticences? Certains pensent,
Alors, certains pensent que, bon, la trésorerie, ça va encore. Ouais. Sauf que la trésorerie, ça va encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Et je ne dis pas ça pour alarmer. Un chef d'entreprise, on m'a posé cette question des milliers de fois. Bah, je vous la pose une millième. C'est quoi la qualité ? Avant tout, c'est l'anticipation. On gère les emmerdes peut-être, on prévoit ce qu'on peut ne pas prévoir. Vaut mieux être un petit peu barge et se dire on ne sait jamais. Ça ne veut pas dire qu'on a peur, comme disait également Marie tout à l'heure. Enfin, on peut avoir peur, mais ça n'empêche pas d'agir. Et donc, c'est d'avoir cette projection pour imaginer effectivement que ça peut se durcir. Alors bien sûr, nous, chefs d'entreprise, non, on va s'en sortir. Regardez tous les sondages qui sortent. Pour les autres, c'est difficile. Moi, ça va encore. Pour soi, ça va toujours bien. On se protège, c'est normal, c'est humain. D'accord ? Mais donc, d'avoir cette possibilité de prendre le PGE, il est là. Bon nombre d'entreprises ne l'ont pas utilisé. Moi, j'ai pris le PGE, je ne l'ai pas encore utilisé. Et pourtant, j'ai des activités, alors pas très loin de celle de Christophe, je fais du recrutement et de l'intérim. Je peux vous dire que ça a été le désastre dans notre activité. Le désastre. Alors, on remonte, mais c'est avec le couteau entre les dents qu'il faut y aller quand même pour remonter le business. Et ça permet effectivement. Et donc, pour ceux et notamment qui n'ont pas suffisamment de fonds propres, parce que le nerf de la guerre, c'est les fonds propres. C'est les fonds propres, oui. C'est le problème que nous avons en France, c'est que les entreprises ne sont pas suffisamment capitalisées. D'accord ? Et ce n'est pas les levées de fonds. Les levées de fonds, souvent, on crache du cash. Mais c'est de pouvoir. Et la meilleure levée de fonds, c'est la marge qu'on fait avec ses clients. C'est celle-ci la meilleure levée de fonds. Et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un minimum de fonds propres, d'accord, pour structurer les banques qu'elles ont prêtées aujourd'hui. Et merci et bravo, d'accord. Mais elles ont prêté parce que 90% du montant est garanti par l'État, d'accord. Et ça se comprend, c'est pas des bons samaritains, enfin, ils sont pas là pour ça non plus, d'accord. Ils ont aussi des clients, et en même temps, les banques, leur argent, c'est pas eux, c'est à nous. C'est l'argent de l'épargne, il ne faut jamais oublier ça, hein, d'accord. Et donc, vraiment, c'est le message que j'ai envie de passer. Je me tais, j'ai été un peu long, mais j'espère qu'il est entendu, celui-là. Bah, écoutez, merci pour ce message. Bah, une question à chacun d'entre vous. Avez-vous demandé un PGE, Anaïs? Oui, on en a demandé un, mais on a bien du mal à l'obtenir. Bon. Appelle-moi, tu vas voir. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Je pense que c'est un principe de notre banque de refuser tout ce qu'on demande. Ah. On n'a pas une très bonne expérience avec notre banque. Ah, il faut changer de banque alors. Effectivement, si ma banque m'entend, nous pourrions le faire. En même temps, il faut apprendre à dialoguer avec une banque. C'est important. Comment? Il faut apprendre à dialoguer avec une banque. C'est important. Ah oui, tout à fait, mais nous dialoguons. Il faut toujours avoir au moins deux banques. Même si on est petit. Ouais. Ce n'est pas forcément le cas de Anaïs, mais. Nous ne sommes pas très gros encore. Oui, mais enfin, on peut avoir tout le monde. Justine, PGE? Oui, et ouais. Comme disait Dominique, eh ben nous, on l'a réparti entre deux banques. Voilà. Et on a fait tout de suite la demande pendant le confinement, dès que ça a été annoncé. Et là, on fait même une autre demande de crédit et ça va être accepté. Donc, très bien. Ouais. En ce moment, ça va plutôt bien. Mais j'écoute vraiment le conseil de Dominique et je le dis aussi, il faut avoir de la trésorerie et il faut anticiper, clairement. Christophe? PGE, oui. PGE aussi, nous, on a eu de la chance parce qu'en 3 semaines, c'était bouclé. On a récupéré au global 1,5 million entre notre banque qui est BNP Paribas et BPI aussi qui nous a accompagnés sur des financements. Donc franchement, ça a été super rassurant et ça a été rapide. Pour moi, c'était le CIC et la Société Générale. Si on fait on fait la pour une fois, on peut. Et Marie? Oui, nous aussi, on a fait un PGE immédiatement auprès de la BNP. Ouais. Et sans souci? Ça a été. Franchement, ils ont bien joué le jeu et heureusement qu'ils étaient là. Ça, c'est essentiel. Par contre, ce que disait Dominique est essentiel, mais nous, chez nos dirigeantes d'entreprise, on a que 16% des dirigeantes qui ont demandé le PGE. La plupart, elles ont bénéficié du fonds, mais le PGE est très, très peu demandé, difficilement obtenu aussi. Et je suis tout aussi inquiète que Dominique parce que les derniers chiffres qu'on a ne sont vraiment pas bons. On a 47% des TPE qui se disent en danger d'ici la fin de l'année. Donc, TPE sur deux. C'est juste gigantesque. Et pour ça, il faut absolument arriver à changer les choses. Et pour ça, notamment, c'est la digitalisation. Ça passe par la digitalisation de leur offre. Et plus de la moitié d'entre elles aujourd'hui disent qu'elles n'ont pas le niveau suffisant pour survivre à la crise, le niveau suffisant en digitalisation. Donc, il faut vraiment mettre tous les moyens sur la digitalisation des TPE aujourd'hui qui ne bénéficient pas d'autres aides pour l'instant. Le gouvernement vient de mettre plusieurs centaines de millions dans ce domaine-là. Ouais. Je
faut le savoir, parce qu'il a chargé les chambres de commerce d'accompagner dans la transformation digitale ces TPE, ces commerçants. Je repasse ce message. Il y a des aides, il y a du financement. Je sais que j'entends toujours, mais on s'y perd dans les aides. C'est vrai. Il faut les chercher quand même. Ouais, mais non, il faut les chercher. Il faut les apporter. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. On apporte et on flèche vers les bons acteurs. C'est essentiel. Mais cette digitalisation-là que vous allez faire avec la CCI, franchement, c'est ça qui peut les sauver. Je ne vois pas beaucoup de choses. Le collectif, la digitalisation. Mais justement, on n'a pas trop parlé du rôle d'Internet, des réseaux, dans cette crise en particulier, pour rebondir ou pivoter, en tout cas, ce que ça a vraiment changé pour toutes les entreprises. J'ai l'impression que ça a été une révélation pour les grosses boîtes qui sont aperçues qu'on pouvait travailler effectivement à distance, ou les plus petites aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce rôle, Marie, parce que vous êtes sur le rôle d'Internet, des réseaux et du numérique finalement. Ouais, fait, ça a eu un avantage, cette crise pour la digitalisation, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Avant, ce que j'entendais, c'est « oui, mais je ne suis pas tellement douée dans ça, mais ce n'est pas tellement mon truc », donc du coup, finalement, on ne mettait pas les mains dans le cambouis. Avec la crise, on n'a plus le choix, il a fallu s'y mettre. Et chez les TPE, un tiers d'entre elles disent qu'elles ont fait un bond gigantesque en avant. Et chez nous, par exemple, c'est vrai, on a fait un bond d'un an et demi en avant chez Bouge ta boîte, dans le digital, grâce, entre guillemets, la crise. Maintenant, comme je disais, il y en a la moitié qui n'ont pas le niveau suffisant pour survivre à la crise. Donc, c'est celle-là qu'il faut aider aujourd'hui. Christophe, vous, de facto, tous les consultants qui sont chez vous, sont assez férus de numérique. Est-ce que vous avez l'impression que ça, quand malgré tout, il y a eu un changement chez eux ou c'était déjà acquis? Non, nous l'enjeu principal, si vous voulez, ça a été de convaincre nos clients d'accepter que nos consultants indépendants travaillent en remote, à distance. Comme notre rôle, c'est justement d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur système d'information et dans leur transformation digitale. Évidemment, ils ont besoin de nous dans cette période, mais l'enjeu, c'était de leur dire faites confiance à nos consultants qui sont freelance. Du coup, ça crée quand même aussi une distance dans le fait qu'ils vont pouvoir travailler comme s'ils étaient salariés de votre entreprise à distance. Et globalement, c'est quelque chose qui a été vraiment bien accepté par l'ensemble des acteurs. Et on a des outils aussi qui permettent de monitorer le travail des gens à distance. Mais voilà, l'enjeu, il était surtout là. Et puis après, l'autre enjeu, ça a été de convaincre les trois parties, le client, le freelance et nous, de faire des efforts financiers pour que les projets continuent plutôt que de tout arrêter. Ça a été essentiellement ça. D'accord. On approche de la fin. On a quelques minutes encore. Je voudrais donner que chacun, finalement, tire un peu la morale de cette conférence ou de cette histoire. Effectivement, le conseil ou la bonne idée que vous auriez envie de vous l'avez déjà beaucoup fait, peut-être on peut synthétiser, mais la bonne idée, vous auriez envie de communiquer aux autres entrepreneurs, aux entrepreneurs qui se découragent un peu, qu'est-ce que dans une situation comme celle que la crise du Covid ou une autre, finalement, quelle est la bonne idée ou le bon conseil que vous avez envie de laisser aux autres? Marie. Il y en a un, ne restez surtout pas isolé en ce moment. C'est impossible de rester isolé. Entourez-vous, peu importe le réseau. Il y en a forcément un qui vous correspond. Il y en a des centaines en France. Mais restez, entourez-vous des personnes qui vont pouvoir vous aider. Surtout, ne pas rester dans son coin en ce moment. Impossible. Je souscris à 300%. Dominique, allez-y. Je souscris à 300% à ce que dit Marie. Alors, bien évidemment, pour avoir, il y a 15 ans, apporté le concept du mentorat pour entrepreneurs, pour entrepreneurs, avec l'Institut du Mentorat, le réseau Mentorat France et le MOVJ, c'est ce qui fait tout le continuum et toute la chaîne. J'ai envie de dire, ne restez pas isolés, prenez n'importe quel réseau pour ne pas être isolé. Et si en plus vous pouvez prendre un mentor entrepreneur, chef d'entreprise qui vit les mêmes choses, qui ne va pas vous donner de conseils, mais avec qui vous allez partager, qui ne va pas rentrer dans votre business, qui n'est pas de votre secteur d'activité, parce que c'est les fondamentaux et le socle de la confiance de la relation mentorale. Surtout, n'hésitez pas, pendant toute la pandémie, tout le réseau IME, Institut du Mentorat Entrepreneurial, MOVJ, Réseau Mentorat France, s'est réuni à travers hashtag préparer l'avenir. C'était simplement, même là, des mentorés que nous avions, qui n'avaient plus de mentors, parce que c'était des étapes, ont pu
avoir de nouveaux chefs d'entreprise qui, pendant un mois, deux mois, ce qu'on ne faisait jamais, pour traverser cette crise, pour essayer de trouver des solutions eux-mêmes. Et il y a, ça a été dit pleinement pendant cette conférence, cette entraide entrepreneuriale a été assez formidable. Alors, je ne sais pas si demain, ça sera un monde différent, j'en sais rien. J'ai envie de dire oui, j'ai envie, bien sûr, j'ai envie. Il y a des moments où je revois des choses qui reviennent à grand galop, ce qui m'inquiète d'ailleurs. À quoi pensez-vous ? Je pense par exemple, parce qu'il y a un homme qui fait un travail formidable en ce moment, enfin depuis un moment d'ailleurs, c'est Pierre Pelouzet, le médiateur inter-entreprise, sur, et ça parle du cash, sur les factures, les règlements. On a tous des soucis, il faut qu'on arrive à les régler, voilà, faut pas planter les boîtes parce que sinon c'est la cascade. Et ça, je l'ai connu en 93. D'accord. La cascade a tué des milliers et des milliers de boîtes. D'accord. Donc voilà, et alors c'est rarement, c'est pas toujours les TPE, PME. J'invite les grands groupes, j'invite les entreprises qui ont des reins un peu plus solides, bien évidemment, à honorer ces factures. Ça me semble extrêmement important parce que, le cash qui circule, c'est l'un des plus importants. Et en réalité, c'est une des réponses, non pas pour un entrepreneur, non pas pour une région, non pas pour une ville, non pas pour, pour l'ensemble du pays, et pas pour, que pour les grandes métropoles, pour l'ensemble du pays, c'est le sang qui irrigue de l'économie. Bon. Christophe. Alors moi, j'adhère aussi complètement à ce qui a été dit par Marie et Dominique, complètement. Moi, je pense qu'il y a un autre élément qui me vient à l'esprit, c'est le fait de prendre en compte le facteur temps. Parce que finalement, plus j'avance, plus je vois le temps comme un allié. Et je me souviens d'ailleurs d'une conférence qui nous avait été faite par Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, qui expliquait en fait à ses actionnaires comment il allait transformer le Club Med. Et en fait, il leur avait vendu un truc qui allait durer 3-4 ans. Voilà. Et il nous avait dit, en fait, j'ai mis 10 ans, mais le temps est un allié. Et aujourd'hui, je vois vraiment ça comme ça, c'est-à-dire que quand on a un peu la tête dans le guidon, on a tendance à penser que c'est vraiment difficile, etc. Mais si on arrive à prendre un peu de recul, de hauteur, on se rend compte que finalement, peut-être cette crise, elle va durer 12, 18 mois, 2 ans, mais qu'est-ce que c'est dans l'histoire d'une entreprise ? Et aujourd'hui, moi, j'ai une vision un peu différente de celle que j'avais par le passé, puisque le Hibou a 5 ans, en fait, j'ai l'impression de passer la première étape de l'entreprise. Avant, j'étais un peu plus foufou. Au bout de 5 ans, j'avais envie de prendre ma boîte. Et donc, je me dis, on aura eu 12 mois, on aura fait moins de croissance, on aura eu des difficultés. Mais dans l'histoire de l'entreprise, si je me projette sur le long terme, finalement, ce n'est pas si grave. Et ça aide énormément à se rassurer, en fait, d'avoir une vision sur le long terme. Ça s'appelle la sagesse. Ah, c'est vrai, puisque tu parles de du Club Med. Je viens de recevoir il y a quelques jours de mon ami Serge Trigano, son nouveau livre, bouquin sur toute la saga familiale de Trigano, c'est exceptionnel. Justine, le mot de la fin pour vous. Alors, moi, je suis complètement en lien avec tout ce qui vient d'être dit, de bien s'entourer, d'aller chercher des conseils ailleurs. Moi, ça m'a énormément aidé au tout début du confinement où j'y connaissais rien et je savais pas du tout ce qui allait se passer. Et je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'anticipation, anticiper le cash, mais anticiper aussi. Nous, en fait, dès la sortie du confinement, on a anticipé une vague 2 du Covid et on s'est organisé un meeting avec tous les responsables de pôle dans mon équipe. Anticipation, vague 2 Covid, et on s'est préparé à se dire comment on fait pour être les meilleurs sur notre site internet en vente en ligne, les meilleurs sur la com, les meilleurs sur ne plus avoir de rupture de stock et anticiper aussi d'avoir assez de stock. Et donc, anticiper tout ça, et ça nous a aidé en alignant chacun des pôles comment on fait pour ne rien manquer. Donc, organisation interne. Anaïs, pour boucler la boucle, vous avez ouvert la conférence, je vous laisse la clôturer. Votre conseil. Trop d'honneur. Je vous en prie. Votre conseil. Je trouve qu'il y a quelque chose à apprécier dans les crises et je suis toujours sidérée par en parler. Christophe, tu parlais du temps avant, par la capacité des crises à appeler à énormément de radicalité. Dans la mesure où, lorsque tout va bien, on a tendance à sombrer dans une espèce d'inertie un peu doucereuse. Et je suis toujours un peu
impressionnée par la capacité des crises à accélérer des changements internes qui étaient nécessaires. Nous, par exemple, on avait depuis 2-3 ans le projet de relocaliser une partie de l'activité en région et ça se faisait jamais parce que inertie. Et là, en 3 mois, on a déménagé 20 salariés dans le sud. Et je pense qu'il faut se rappeler de cette capacité de la crise à appeler à la radicalité et se demander comment on peut garder ça au quotidien, parce que si on arrive à le faire lorsque c'est très dur, c'est qu'on peut certainement le faire aussi lorsque ça va bien. À moins que ce soit impossible de le faire quand ça va bien et que la crise nous y pousse. Bon, j'ai l'impression que... Il y a quelque chose aussi à apprécier dans ça. Je pense que c'est vrai en interne, mais c'est vrai aussi, je pense, pour la société aussi. Je vois beaucoup de pistes cyclables, on en parlait juste avant, et je pense que ça montre aussi notre capacité à, lorsque l'on veut, à changer très vite. Et je pense qu'il y a une chose à retenir de positif de cette crise, c'est ça, lorsque l'on veut, on peut être radicaux. Et je pense que c'est un sentiment plus à chérir qu'à bannir. Bien. Merci beaucoup à tous les 5 de vous être prêtés à cet exercice, effectivement, à la fois de prospective et surtout de conseils pour les entrepreneurs qui, comme vous, ont eu quelques tuiles à affronter ces derniers temps. Merci encore. Et je vous donne, donc c'est la dernière conférence de ce salon, je vous donne à tous rendez-vous l'année prochaine pour le salon SME qui sera le 2021. Donc. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Merci. Un grand merci au Salon SME.